Bonjour, bonsoir les amis, c'est Ami Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je voulais. Alors, il y a un peu de soleil là, un peu d'ombre, c'est pas grave. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je voulais vous parler de l'injustice dans le monde du travail. Alors, parmi vous, il y a des jeunes, des moins jeunes. Les plus jeunes généralement, n'ont pas encore vraiment d'expérience du marché du travail. D'autres personnes, effectivement, on leur a raconté qu'il fallait avoir fait des études, bien travailler, être sérieux, être rigoureux, et que les gens méritants allaient bien évidemment profiter par la suite d'une bonne retraite, allaient avoir une bonne situation stable, etc. Donc, c'est le discours qu'on nous a répété, effectivement, quand on était gamin, et on s'est dit, ouais, nos parents, ils savent, ils sont passés par là, donc ils savent ce qu'ils nous disent. Et on va quand même les écouter parce qu'ils ont peut-être raison. Et le problème, c'est que quand on rentre dans le monde du travail, on s'aperçoit que c'est un monde injuste. En fait, ce ne sont pas les gens les plus méritants qui réussissent, ce sont ceux qui jouent avec les rouages du système. Ce sont ceux qui maîtrisent bien la politique. Ce sont ceux qui ont les bonnes relations. Ce sont ceux qui sont les mieux placés. Ce qui fait que même si vous travaillez le plus dur, moi je me souviens dans une boîte, je ne vais pas te donner le nom, mais je travaillais le plus dur. Et je voyais un gars qui foutait rien, mais voilà, il avait tous les avantages et pas les inconvénients. Et moi, j'avais tous les inconvénients, pas les avantages. Et j'ai compris que, bien évidemment, en fait, le monde de l'entreprise n'est pas juste parce que c'est pas vous qui maîtrisez les règles. C'est pas vous qui maîtrisez le jeu. Et c'est là où le créer son business, faire du trading ou être libre financièrement offre de vrais avantages. Parce que dans ces différentes activités, vous devenez le maître du jeu. Vous fixez vous-même les règles. Vous n'êtes plus dépendant d'un abruti. Vous n'êtes plus dépendant de gens qui sont malhonnêtes ou de gens qui sont pas géniaux. Alors, je ne dis pas que tous les chefs d'entreprise sont malhonnêtes, etc. J'en suis un. Mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui gèrent mal, qui ne sont pas efficaces. Qui vont aimer être flattés. Donc effectivement, ce sont ceux qui savent bien flatter, qui sont très politiques, etc., qui vont réussir. Et moi, je me souviens, j'ai encore une fois cet exemple dans ma tête, un exemple dégueulasse. J'ai travaillé dans une boîte et je me souviens, j'arrivais le premier au boulot. Je partais le dernier, tellement j'étais motivé. Le premier au boulot, le dernier. Je repartais le dernier. À un certain moment, mon big boss, c'était le PDG également de la boîte, il y a eu un deal, donc il a sauté. Et ce gars-là, il n'était pas en bonne relation avec ses associés. Et il a sauté. Il y avait un autre gars qui bossait avec moi, lui aussi, il a sauté. Ce qui fait qu'à un certain moment, je faisais le boulot de 3 personnes dans cette boîte. Le boulot de 3 personnes. Et j'arrivais le premier, je repartais le dernier du bureau, tellement j'étais motivé. Normalement, un gars comme moi, il était super méritant. On aurait dû lui dire, on te remet la Légion, on t'augmente, on te donne un putain de bonus, on va te faciliter la tâche. C'est génial ce que tu fais. Non, au lieu de ça, on m'a mis plein de bâtons dans les roues et j'avais mes collègues qui étaient des paresseux, qui foutaient rien, qui se sont mis à venir me mettre des bâtons dans les roues. Et puis, il y avait un connard, excusez-moi l'expression, qui venait chez moi et qui me disait, ouais, il y a une faute d'orthographe, alors que je faisais le travail de 3 personnes et que le mec, il était même pas capable il était d'origine allemande, il était même pas capable d'aligner une phrase correcte en français. Mais pourquoi il le faisait? Parce que c'était de la politique, parce qu'il voulait me faire, me faire lâcher psychologiquement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à un certain moment, il y avait tellement de pression, etc., que j'ai signé ma démission. Le jour même, j'ai failli m'évanouir parce que tellement j'étais dégoûté parce que je voyais comment j'avais bossé. J'arrivais le premier, je partais le dernier, je faisais le boulot et je voyais des gens qui étaient incapables, des gens paresseux, qui en plus me mettaient des bâtons dans les roues et qui étaient toujours tranquilles. Et je me suis dit, mais c'est vraiment un métier, enfin le monde de l'entreprise, c'est vraiment un monde merdique. C'est vraiment un monde merdique. Mais ça a été une bonne expérience, ce qui fait que durant ma prochaine, quand j'ai rejoint la prochaine boîte, la boîte après, en fait, tout ce que j'avais appris, j'ai évité de faire les mêmes conneries. Donc, j'étais hyper exigeant,
quand les gars ils me disaient je te promets, parce que c'est ce qu'ils me disaient, ils me disaient on te promet de diriger le bureau de Dublin, ouah Tammy, t'es la star, t'es le meilleur, mais en fait c'était du vent. Et c'est pour ça que moi le conseil que j'ai envie de vous donner, si vous êtes dans une boîte, si le big boss il vous dit ouais je vous promets, soit vous avez confiance en ce boss et c'est vraiment un mec bien, soit vous lui dites ok merci de me promettre, tu m'écris mon pote, tu m'écris les conditions, tu me dis ça, ok, écris-moi ça. Et c'est ce que j'ai fait après. Après, en fait, j'ai plus jamais accepté qu'on me marche sur les pieds. Donc, quand je bossais dans les autres boîtes, j'exigeais, j'avais mes conditions. Parce que je savais que j'étais un bosseur, je savais que j'étais quelqu'un de fonceur, mais je voulais plus qu'on m'arnaque et je voulais plus qu'on me fasse du grand n'importe quoi. Donc, à chaque fois, je négociais mes conditions. Alors, bien évidemment, ça les faisait chier. Mais c'était à prendre ou à laisser. Je leur disais, c'est bon. Moi, voilà, je veux, tu veux que je bosse comme ça? Ok, il n'y a pas de souci. Je veux ça. C'est mes conditions. À prendre ou à laisser. Parce que quand vous n'êtes pas politique, comme moi je suis pas un, moi, je dis ce que je pense. Donc, je ne suis pas fait pour travailler dans une entreprise. Donc, quand vous êtes un mec comme moi, et parmi vous, il y en a probablement, soit vous vous imposez, soit vous vous donnez les moyens de vous imposer, soit travailler pour votre compte. Parce que là, vous créez vos propres règles. Vous êtes le propre big boss. Donc encore une fois, n'oubliez pas les amis, la conclusion de cette petite vidéo, c'est que le mérite au niveau du marché professionnel, ça n'existe pas vraiment. Alors bien évidemment, certaines personnes évoluent, réussissent par leur mérite, mais ce n'est pas la majorité. Et cette leçon que j'ai retenue, c'est qu'en fait, ce n'était pas les gens les plus travailleurs, les plus bosseurs, c'était ceux qui savaient jouer avec le système. Le monde du travail est injuste. Le monde est injuste. Donc à un certain moment, soit vous acceptez finalement les conditions, soit vous vous dites, ok, moi j'accepte pas ma situation. J'accepte pas cette condition. Et là, vous vous bougez, soit en créant votre business, soit en travaillant sur votre liberté financière. Parce que le plus important, encore une fois, c'est de ne pas subir cette injustice. Parce que cette injustice, elle est dégueulasse. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un individu qui est sérieux, qui travaille, qui donne, qui est loyal, qui se donne à fond, de subir une injustice. Je l'ai déjà subi. Donc, je sais ce que c'est. Imposez vos conditions, les amis. Soyez au top, d'accord? Soyez au top, soyez tueurs, soyez les meilleurs. Ayez un mental d'acier. Mais en même temps, il faut connaître les règles, d'accord? Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao.